Mon très cher ami, ma très chère amie, je sais ce que tu es en train de traverser en ce moment. Qui parmi nous ne ressent pas une dose de doute, de confusion, de peur, d'anxiété ou de colère? Et précisément pour cette raison, parce que la plupart de nous, nous sommes dans un cycle vicieux des pensées, des émotions, des basses vibrations. Eux, ils ont gagné la bataille. Tu veux aujourd'hui, si tu veux bien, j'invite à te partager ma philosophie profonde des choses. Les maîtres de jadis disent que cette planète Terre représente une prison pour l'âme, de manière que ton âme, quand elle a choisi de venir s'incarner sur cette terre, ici et maintenant, elle savait, elle connaissait les règles de ces jeux, les règles de jeu de ces mondes. Et l'âme savait, et l'âme sait, que les règles de ces mondes ne correspondent pas à la justice, à la vérité et à l'amour, parce que les règles de ce monde sont basées justement à tout le contraire. Mais si tu es là, aujourd'hui, ici et maintenant, c'est pour ancrer l'amour, la justice et la vérité, parce que c'est le but et l'objectif de nous tous, finalement. Reproduire les valeurs spirituelles dans les royaumes physiques de cette terre. Le ciel dans la terre, c'est l'objectif. C'est pour cela que tu es là. Alors, si tu veux, j'ai essayé de répéter de manière différente que l'être humain, nous, maintenant, en ce moment, nous avons un pouvoir créateur. Notre mental est créateur. C'est ce dont notre mental se concentre, la réalité se crée. On est capable de réaliser la réalité selon le sujet, la réalité dans laquelle l'homme se concentre. Eux, ceux qui sont au sommet de la pyramide de pouvoir, ils le savent. Ils savent sur notre pouvoir profond de création. Et tout ce qui est en train de se passer a été complètement calculé, prémédité. Et tout est en train de bien se passer pour eux, puisque tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, c'est notre responsabilité. C'est à cause de nous que nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer dans le monde. C'est notre responsabilité. C'est nous qui l'avons créé. Inconsciemment, bien sûr. C'est pour cela que personne n'est coupable. Personne. Mais comment on n'a pas conscience de ce pouvoir créateur? Eux, ils l'utilisent dans notre contre. Et puis, eux, ils n'ont presque rien à faire. Ils vont lancer des graines d'information. Une information est sa contraire. Et la confusion est servie. De la confusion viendront les doutes, de les doutes la peur. De la peur, la colère, la haine, la guerre civile. De manière que eux, ils sont tous programmés juste pour débuter la crise. Et nous, on a fait le reste. Complètement le reste. Ils savaient, eux, ils savaient que nous allons nous concentrer
dans les plans physiques, avec les émotions de la peur, la colère, qui sont très puissantes, dans les pôles opposés à l'amour et la vérité, et qui matérialise très vite, parce que c'est lourd et basse. Et c'est un domaine où l'âme ne peut pas intervenir. Pour pouvoir laisser la place à l'âme, afin que l'âme puisse intervenir dans notre réalité et notre monde, il est nécessaire qu'on se mette en vibration, en résonance vibratoire avec l'âme. Et là, il y a la foi, la confiance, la vérité, l'amour, la compassion. Mais je comprends que les termes d'amour et de compassion sont, on va dire, difficiles à trouver maintenant. Mais il faut trouver la confiance et la foi que nous sommes gérés par une intelligence supérieure qui est connectée au biorhythme cosmique, au biorhythme parfait de la nature. Et que c'est l'unique intelligence qui peut venir résoudre les chaos, parce que cette intelligence est parfaite. De manière que tandis qu'on soit en train, on soit dans l'énergie de la peur, la colère, l'anxiété et la confusion, l'âme ne peut pas agir. Et notre challenge aujourd'hui, c'est de laisser la place à l'âme. Les solutions aux problèmes de ce monde ne se trouvent pas dans le monde physique. Les solutions aux problèmes de ce monde se trouvent dans les royaumes spirituels et on doit se connecter et se mettre en vibration, dans la vibration spirituelle pour pouvoir télécharger les solutions. Parce que c'est la manière dans laquelle l'âme peut agir. De manière que maintenant c'est trop tard. Maintenant, tellement la pulsion est grande, tellement il y a eu une accumulation de souffrances physiques, émotionnelles et psychologiques, que la bulle de neige est vraiment très grosse. Maintenant, cette histoire ne peut pas s'arrêter. Mais maintenant, on peut encore et toujours revenir à l'intérieur pour nous connecter au pouvoir inhérent que nous avons. On aura toujours l'opportunité, n'importe à quel moment, on aura toujours l'opportunité de nous abandonner et de nous concentrer en connecter avec le royaume spirituel, notre dimension spirituelle. Parce que vous savez, j'espère que vous savez, que nous avons la dimension physique, le corps, la dimension mentale, les pensées, la dimension émotionnelle, les émotions et les sentiments que nous avons, et on a aussi la quatrième dimension qui est la spirituelle, tes valeurs, ton courage, tes capacités inhérentes, tes talents, tes dons, ce que tu as à partager, ce que tu as à donner, ce que tu as à offrir à ce monde. Comment peux-tu soulager ce monde? Comment peux-tu aider tes proches? Comment peux-tu améliorer la vie de ceux qui sont près de toi, ici et maintenant? Parce que c'est ça que tu es vraiment. Et c'est là où tu vas connecter avec ta dimension spirituelle. De manière que maintenant, on doit accepter que c'est trop tard, qu'on n'a pas su faire le devoir avant. Et maintenant, on a ce qu'on mérite. Attention à ce que je dis. On a ce qu'on mérite parce qu'on n'a pas, pu faire la reconnexion avant. Et puis, maintenant, il faut juste accepter, s'abandonner au divin et faire la demande et faire tout le possible pour augmenter la vibration en nous, pour être très haut et vibratoirement en l'intérieur de nous. Et demander à l'intelligence supérieure, l'intelligence divine, à l'œuvre divine d'intervenir
parce que c'est notre droit de naissance, de demander de l'aide et de nous laisser, de faire la place, de demander. C'est une rédemption. C'est juste reconnaître qu'on ne savait pas et que maintenant on sait et que maintenant on est prêt. On est prêt à faire de la place et qu'on est prêt à accueillir l'intelligence et l'ordre divin en nous et laisser que la toute-puissance puisse faire les transformations intérieures dans tous les niveaux, puisse prendre la charge de ces chaos dans la réalité que l'on vit et continuer à travailler en nous de manière qu'on puisse finir pour avoir une vie agréable, des pensées agréables, des émotions agréables, des événements agréables avec les autres, de partager ce que nous sommes en liberté, en détachement, avec des intérêts. Être qui nous sommes, sans plus, être heureux. Et pour cela, je te promets, il faut se déclarer à nous-mêmes que nous, on ne veut plus avoir les rênes de la vie et qu'on va passer les rênes à l'intelligence supérieure, qui sait. Et puis, pour cela, ce que je peux vous proposer, c'est de faire toutes ces activités que vous met à vivre jolie dans le cœur, que vous met à partager ce que vous êtes, à reprendre la confiance, à demander l'intervention de l'ordre divin en vous, dans votre monde, dans votre système, dans votre pensée. Vous avez les droits. Et si vous demandez, vous serez assisté, il n'y a pas de doute. Mais vous devez être sincère à en reconnaître que vous avez fait le mieux que vous pouvez. Et que maintenant, ça sera un bon moment pour redémarrer cette connexion perdue. Vous êtes, nous sommes, invincibles. Personne n'a pas le contrôle sur nous, sauf ces contrôles que nous donnons aux événements, aux gens, aux situations. Le vrai pouvoir est en toi, la force est en toi. Sauf qu'il faut que tu te reconnectes à cette énergie. Et maintenant, je considère que c'est un bon moment. Ça vaut plus la peine de résister, de nier, parce que c'est trop tard. Ça a été la responsabilité de tous. Et maintenant, l'unique chose qu'on peut faire, c'est de réparer. Réparer, et la manière de réparer, c'est reconnecter dans la vibration élevée de l'amour, la joie, le partage, la confiance et la foi. Demander l'intervention de l'ordre divin. Parce que l'ordre divin va intervenir. Écoutez, je considère que rien dans ce monde arrive par hasard. Et cette maladie contagieuse n'est pas apparue par hasard. Cette maladie contagieuse a une intention bien claire. Mais le fait que cette maladie contagieuse a pris les pouvoirs sur toute la planète, ça indique où nous sommes, où l'être humain est aujourd'hui. La manière d'agir de l'être humain dévoile où nous sommes. C'est notre responsabilité, c'est celle-là qu'il faut comprendre. Donc, tout ce que vous êtes en train de lutter, vous luttez contre vous-même. Ça. De mon point de vue, la résistance et la lutte dans la colère, la justice, la paix,
ça ne sert pas qu'à nourrir et à soutenir les résultats. C'est le moment de changer les paramètres. C'est le moment d'accepter et d'assumer la responsabilité que nous avons. Et de changer. Et de, une fois par toutes, comprendre que les solutions pour les problèmes de ce monde ne se trouvent pas dans le monde physique. Se trouvent dans le monde spirituel. Et puis, je vais te laisser avec cette réflexion. En espérant que t'aide à quelque chose. Et je vais te dire, bon courage pour la suite. Relax, détends-toi. Et je te dis à très bientôt.